Et on va voir ce que ça fait du Elden Ring sur Monsieur K. Ça va être très drôle, je pense. On va sélectionner une classe. Alors, un prisonnier. Il a une bonne tête quand même, le prisonnier. Un confesseur. Ou un nudiste. Ah, je me tâte. On va se le faire, allez. Alors, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt bien fourni. De toute façon, comme dans tous les jeux de l'éditeur, on a en général un travail d'ambiançage qui est fort poli. Est-ce qu'on se suicide directement? Non? Bah, je sais pas, moi, il faut être un peu goth hein, pour ces jeux-là, il paraît, donc... voilà, non mais, change d'arme. T'es en train de gaspiller toutes tes flèches, buddy, mais bon, c'est pas grave. Merci. Donc celui-là, ça doit être le coup rapide avec la gâchette du dessus. Ça, c'est un coup un petit peu plus costaud. Non, cherche pas dans tes poches, ça sert à rien. Des bonus planqués. Oh, les mecs, ils sont pas de chez Nintendo. Hein. Ça se voit tout de suite. On y va. Alors, l'extase graphique. Oui, mais on est en 2022, les gars. Donc, n'importe quel jeu avec du personnel derrière peut sortir des props comme ça. Hein. Faut arrêter de vous toucher. Ou alors, vous avez jamais joué à Horizon Zero Dawn. Ouh, c'était méchant ça, mais tellement réaliste. What's happening? It's going to chier au royaume de Danemark. Ah, un gros déjà? Ok, ok, ok. Ma roulade, je sais pas faire la roulade, les gars. C'était Elden Ring avec Monsieur K. Et un bon jeu. Beaucoup de suspense, des énigmes incroyables, des phases de combat extraordinaires. Et surtout. La mort. Monsieur K dans Elden Ring, deuxième. On va voir quelle est ma punition. En disant bonjour à ce chevalier, par exemple, qui a l'air fort sympathique. Moi, alors, j'ai un a priori positif dans cette aventure, vous le savez très bien. Il a une certaine épaisseur et va falloir faire avec ou sans. Je pense que lui, il va me déchirer la tête. On va essayer, on verra si ça donne quelque chose de positif ou si je meurs. Je crois que je vais mourir, les gars. Qu'est-ce qu'ils veulent, gros? Hé, gros, calme ta wage. Mais il est con, lui. Pas les affaires, on a dit. J'ai pas ce que tu veux, de toute manière. Laisse-moi courir. Y a pas une touche pour courir, c'est tonteux. Parfaitement tonteux. Je vais me cacher derrière une brebis. Et la brebis, bouge pas. On va se mettre au chaud, là. Tranquille, parce que c'est mes tovrais qui rentrent. Avance. Ouais, ouais, c'est ça, pauvre naze. Vas-y, casse tout. Et ta mère en kilt sur Facebook. Il est con, mais qu'il est con en plus, c'est incroyable. On voit qu'on a de la grosse IA en face apparemment. Oh merde. Il a compris quand même. Moralité, dans Elden Ring, à chaque fois que tu te moqueras d'un PNJ, il va t'éclater la tête. On va arriver en fufu, comme ça, hein, d'accord. Je vais aller dans les ruines là-bas, je vais prendre de la hauteur, comme ça avec son bourrin, il va en chier un peu pour me courser. Et de là-haut, ben, je vais lui tirer dans la tronche, tout simplement. Je pense qu'on peut chasser les bestioles, mais je suis comme dans HZD, j'ai des remords quand je tue des petites choses vivantes. Sauf quand c'est des saloperies comme ça. Ça, ça me plairait bien à dégommer. Hop là. Hop là, mais que t'es con, mais c'est incroyable. Viens là, viens là, viens là. Attends, je suis pas du bon côté, là. Coucou. Wish. Monte là-dessus, si tu peux, ce serait bien. T'es bien trop... Tu n'es pas Lara. Ouais, non, tu n'es pas Lara. Tu n'es pas là, pas rien, ta 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 ta. Mais pff, moi je veux absolument monter là-dessus. Moi je pars pas, donc j'ai pas monté là. Voilà, c'est cash. Qu'est-ce que c'est ça? On peut se faire un football. Alors je crois qu'il va pas aimer le football. Je crois qu'il me regarde. Je crois que je vais me baisser. Je crois que je vais me casser surtout. Mais baisse-toi. Il viendra sur nous! Ah non, il a rien vu, il est trop con, regarde. Hop, 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 bouge. Bouge, Paulette. Oh là là, mais comment il fait ça, lui? Mec, tu cheats, tu cheats. Cours, toi, cours, cours, mais cours. Mais de, en courant, quoi. Non, non, fais-lui rien, t'as pas le temps. Donc lui, il m'indique, ça m'indique quelque chose, ça.
ça m'indique de venir ou de partir plutôt là-bas. Et plutôt là-bas, il y a Jean Gérard. Oui, Jean Gérard. Qui est le physicien du coin, apparemment. Car il sait manier le feu, lui. Bon, on va lui faire un truc sympa. On va lui faire la blague de la Glavuse. Je sais pas s'il la connaît. Et regarde. Crac ! Voilà, c'était la blague de la Glavuse. Maintenant, vous connaîtrez. Le corps, on va le laisser au milieu. Comme ça, ça fait une zone d'intérêt. Et son pote va avoir envie de venir, je le sens. Hé, hey, je viens de tuer ton ami à dessein. Ça vous rappelle un film ? C'est normal. Il y a toujours un héros pour la dernière action. Oh, je viens de tuer quelqu'un. Et crac ! Recrac ! Voilà. On va faire un petit peu de jardinologie, les amis. Ça doit filer une bonne chiasse, je présume. Mais c'est pas grave, on va en voir d'autres, je pense. Crac ! Crac ! Ça, c'est offert. Alors ici, ça a l'air comestible, ça. On peut faire de la vulnéraire, c'est cool. Vous savez pas ce que c'est, la vulnéraire ? Ah, c'est des petites fleurs jaunes qui poussent très haut. Dans une zone limitée en altitude, et on fait un bon alcool avec, c'est sympa. Voilà, par chez nous. Un gros coup, un petit coup, c'est réglé. Allez, ciao Marie, t'as rien sur toi ? Un peu de monnaie, je sais pas, ton épée, file-la moi, je la refonds et je pourrais me faire des médailles. Monsieur, il y a tes potes, ils sont morts, il y a un fou qui traîne dans le coin, fais gaffe à ce que tu fais. Ah, ça sent la roulade, ça. Ah, ma roulade est pas partie. Donc voilà ce qui me chagrine, moi, dans ces jeux. Ce rythme qui est tout sauf le mien. J'ai une folle envie de rentrer là-dedans. Minou. Ah, il est pas tout seul. Ah non, il est vraiment pas tout seul, quoi. Viens voir papa. Minou. Bon. On va y aller à la pop-off. Oui, c'est ce que j'appelle la technique du proctologue. Ah, on va enfin s'amuser. Oh le salaud. Ouf. Ouf. Oui, là, je vais prendre mes distances avec le jeu, puisqu'on arrive dans la phase pénible, où moi, ces genres de combats, c'est pas mon trip, quoi. Tour, tour, tu attends, tour, tour. Quand ça se déroule à cette vitesse-là, j'ai envie de me pendre, j'ai vraiment du mal. Je vais sauvegarder là, et je vais faire une pause, parce que ce jeu me gonfle déjà, en fait. Je le dis vraiment tout de go. Alors, c'est un gameplay. Je comprends qu'on aime ce style de gameplay, mais il faut aussi comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Allez, je vais aller me faire des White Russians pour me mettre en forme. Et une fois bien buffé, je reviens faire un massacre là-dedans.